Chers frères et sœurs, selon un adage populaire, la musique adoucit les mœurs. C'est un autre exemple de cet épisode biblique dans le premier livre de Samuel, où un rédacteur nous explique de quelle manière Saül, le roi Saül, lorsqu'il souffrait d'un esprit venant de l'Éternel, faisait appel au jeune David qui jouait de la harpe. Cela l'apaisait. Le texte biblique dit même que cela l'aidait à mieux respirer. Il y a chez Emerson cette intuition également qu'une vie réussie est une vie où l'on aide quelqu'un à mieux respirer. C'est peut-être le sens de notre culte aujourd'hui, car par cet heureux hasard du calendrier, il nous est donné aujourd'hui de reprendre les manifestations que nous avons prévues dans le cadre des 150 ans du Temple, en ce jour de l'été, en ce jour de la fête de la musique, en ce jour où la musique va nous permettre peut-être de mieux respirer, en dépit des masques qui vous confinent encore un peu. Cette sortie du confinement par la musique peut être ajoutée de la musique à nos tourments, ajouter de la musique à nos inquiétudes, et aussi ajouter de la musique à notre joie de vivre, ajouter de la musique à nos élans. La musique fait partie de ces arts que Dieu nous donne pour mieux respirer, pour être plus à l'aise, comme le disait Saül. Dit dans un langage un peu moins religieux, la musique est un moyen par lequel la vie, notre vie, peut être porté à son incandescence. C'est la grâce qui nous est faite en ce premier jour de l'été. Avoir l'occasion d'éprouver que notre vie peut être portée à son incandescence. Alors ce matin, nous laisserons un peu plus de place à la musique, avec Marion Bellon, avec Charlotte et Karl Brenich, toutes personnes qui nous accompagneront pour que notre vie spirituelle nous permette cette élévation et cette profonde respiration. Je vous invite à le vivre d'ores et déjà en vous levant pour chanter la première strophe du psaume 81. L'Éternel, dit le psalmiste, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Précisément, faisons-le en nous laissant guider par la mélodie de Karl.
psaume, lançons vers l'Éternel une clameur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Amen. Lançons la clameur du psaume 95. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce psaume 95. Nous nous recueillons dans la prière. Ô notre Dieu, fais grâce selon ta bienveillance. Nous voici en toute vérité devant toi. Nous souhaitons relire notre existence face à toi, face à cet idéal de l'amour que le Christ Jésus a prêché, incarné. Et nous repassons dans notre cœur tout ce qui pourra nourrir notre prière de repentance en suivant le jeu musical de Charlotte.
C'est une prescription pour Israël, dit le psalmiste. Une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph lorsqu'il sortit contre l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu, dit le psalmiste. J'entends un langage qui m'est inconnu lorsque j'entends ceci. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Nous sommes tellement habitués à ce que la vie soit un fardeau. Nous avons tellement entendu que le chrétien devait se conformer aux souffrances du Christ, que c'est un langage inconnu lorsque nous découvrons dans les textes bibliques cette grâce qui nous est faite encore aujourd'hui, d'entendre que nous sommes avec l'épaule déchargée du fardeau. Toute la vie spirituelle s'exprime dans ce verset qui nous dit que nous sommes appelés à la liberté et non à une vie qui serait un fardeau. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter la troisième fois du psaume 81 et ainsi inscrire cela au plus secret de notre existence.
Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, ce que nous te demandons tout simplement, ici et maintenant, c'est que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne. Et que cette parole que nous allons lire soit pour chacune et chacun de nous, ta parole, pour nos existences au quotidien. C'est ce que humblement nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus le Christ, ta parole pour nos vies. Amen. Pour notre méditation ce matin, je vous propose un texte à la fin du livre des Proverbes, la fin du chapitre 31, les versets 10 à 31 du chapitre 31. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. Fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses mains la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle semble que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux, elle tend la main au pauvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il est assis avec les anciens. Elle fait des chemises élégantes, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de dignité, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et je vous invite à chanter la cinquième strophe du psaume 81, la cinquième strophe. Chers amis, chers frères et sœurs, je n'ai pas choisi ce texte pour la fête des Pères, ce texte qui loue l'homme assis avec ses fils et la femme qui travaille. Non, ce n'est pas pour ça que j'ai choisi ce texte. Ce texte est d'une beauté et d'une poésie incroyable. Il y a quelques jours, la lecture de ce texte m'a saisi. Il fait partie de ces textes que vous lisez, que vous relisez, vous lisez encore et encore, et à chaque fois, vous découvrez une richesse, une force inouïe et inattendue. Et j'ai même envie de prendre un risque indéfendable.
celui de faire un anachronisme. Je dirais que ce texte est profondément évangélique et protestant, car il proclame haut et fort l'amour de Dieu et le salut par la foi seule. Le cœur de ce texte est notre fameux sola fide. Ce texte montre que les œuvres ne peuvent pas contribuer au salut, mais que c'est la foi, et la foi seule, qui surpasse tout et qui est au-dessus de tout. Mais ceci n'est possible qu'à une seule condition. Ne nous trompons pas de lecture. Parce que ce texte fait aussi partie de ceux qui sont utilisés pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et qu'elle n'a jamais dit. Et au lieu de libérer, ce texte peut aussi enfermer, faire souffrir et emprisonner, enchaîner. Comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés pour justifier le racisme, comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés pour contre les homosexuels, comme d'autres textes bibliques qui sont utilisés pour justifier la peine de mort, et j'en passe, ce texte a été utilisé pour enfermer des jeunes filles et des femmes dans des rôles impossibles. S'il y a un principe dont nous devons être fiers chez nous, protestants, c'est bien celui de la résistance. Ce registre de Marie Durand dans sa tour de Constance. Notre résistance à nous, c'est de savoir dire non à ces lectures erronées de la Bible qui privent de liberté des hommes et des femmes. Parce que les expériences de vie racontées dans la Bible, de la sortie du jardin d'Éden jusqu'aux évangiles, en passant par le déluge, les patriarches, l'exode, ce ne sont que des récits de peuples qui se libèrent de l'emprise des rois, des tyrans, de dogmes qui n'ont rien à voir avec une parole divine. En 1982, un livre était publié et commentait cette fin du livre des Proverbes et disait, je cite le résumé du livre, « La femme de Proverbes 31 vous enseignera comment vivre une vie heureuse, productive, équilibrée, comment être une femme au foyer compétente, et une femme d'affaires prospère. Elle vous montrera comment être attrayante, enthousiaste, ouverte aux autres. Que vous soyez marié ou célibataire, ce livre vous donnera l'envie de vous surpasser pour Dieu. » Sacré programme, mesdames. Et pour le mari aussi, d'ailleurs, puisque vous allez sûrement noter que le mari, lui, profite allègrement des compétences surhumaines de sa femme pour s'asseoir aux portes de la ville et pour discuter avec les anciens. Eh bien, je dis non. Je refuse cette lecture. Si la Bible nous enseigne cela, et si notre rôle de pasteur est de proclamer cette parole, alors je comprends qu'il n'y ait plus de monde chaque dimanche au culte dans nos temples. Ce texte nous met face à cette question. Que faisons-nous de la Bible? Qu'attendons-nous de la Bible? Est-ce que nous la brandissons comme une arme en affirmant que ce qui est écrit dedans est la parole de Dieu et rien d'autre? Depuis qu'un président a utilisé la Bible comme un étendard il y a quelques jours, ce sujet a été largement abordé et heureusement, de nombreuses voix se sont élevées pour dire non. La Bible n'est pas cela. Les textes bibliques nous ouvrent à autre chose, à une autre parole, à une parole autre. Si le texte biblique ne nous aide pas à proclamer une parole de vie, une parole de liberté, une parole d'espérance, alors cela veut dire que soit nous trompons de lecture, soit le texte biblique est devenu inaudible. Ce n'est pas le cas de ce poème qui termine le livre des Proverbes. Je veux donc partager avec vous ce matin comment ce poème m'a parlé et pourquoi je le trouve si beau. Je vous propose donc, dans un premier temps, de parcourir ce texte en m'attardant sur les différents éléments qui me font dire que c'est un joyau de la poésie. Puis nous verrons comment nous approprier ce texte dans nos vies et notamment dans ce temps de renouvellement de conseil d'Église.
très surpris par cette liste de choses à faire au début de ce texte que je vous ai lu. De choses à faire pour cette femme anonyme survouée. Mais je devrais plutôt parler de choses faites que de choses à faire. Et bien que la majorité de nos Bibles traduisent les verbes par du présent, les verbes en hébreu sont à l'accompli. C'est un temps qui n'existe pas en français, mais qui conjugue les verbes pour exprimer quelque chose qui est fait et qui n'est plus à faire. L'accompli exprime donc une action terminée. On ne devrait donc pas traduire, par exemple, pour le verset 13, « Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec plaisir. » Mais on devrait plutôt traduire par « Elle a recherché laine et lin et elle l'a travaillé de ses mains avec plaisir. » Et cela change tout, parce qu'au lieu de voir ces versets comme des objectifs à atteindre, ils doivent être lus comme des actions révolues, qui ne sont plus à faire. Ces actions sont dans le passé, et le texte nous appelle à regarder vers l'avant, vers autre chose. Il y a un second point de grammaire sur lequel je voudrais attirer votre attention. Les verbes sont conjugués à la troisième personne du singulier. Elle a confectionné, elle s'est drapée. Quand vous, lecteur, vous lisez ces versets, vous voyez bien que le rédacteur ne s'adresse pas à vous. Il ne parle pas de vous, mais il parle d'une troisième personne, anonyme, indifférente à votre vie et à vous. Nous ne devons pas négliger ces détails qui nous guident dans la lecture de ce texte. Toute cette première partie du poème parle d'une autre femme. Le texte parle d'elle et pas de moi, pas de toi. Et ça, jusqu'au verset 29, où il est écrit « Beaucoup de femmes ont montré leur valeur, ou leur énergie selon les traductions. Beaucoup de femmes, oui, mais toutes ces femmes sont celles d'avant, celles qui ont été nommées avant. Mais toi, tu les surpasses toutes. Toi, ça y est. Le rédacteur s'adresse à moi, à toi, à vous. Le rédacteur nous tutoie. Il nous interpelle dans nos vies. Toi, tu les surpasses toutes. Parce que la femme qui doit être louée, ce n'est pas celle qui a fait d'une manière souveraine tout ce qui est fini et accompli, mais c'est celle qui craint. C'est celle qui respecte le Seigneur, nous dit le verset 30. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas celle qui fait tout qui doit être louée. Ce ne sont pas les œuvres qui vont la sauver, mais c'est toi. Parce que toi, tu respectes le Seigneur, alors là, tu seras loué. Ta foi seule t'a sauvé. Ce poème est une invitation à la vraie foi. Un autre point. Le choix des traducteurs laisse penser qu'en respectant Dieu, cette femme surpasse toutes les autres. En réalité, le verbe hébreu signifie qu'il faut se placer au-dessus de cette femme, de ces femmes qui savent tout faire. Il s'agit donc de prendre la distance et savoir prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'il y a à faire. C'est tout simplement une invitation à privilégier le temps pour la prière. Ce poème nous dit que la satisfaction que nous tirerons à mettre des croix devant les choses accomplies sur nos listes accrochées sur nos frigos ne servent à rien, que l'essentiel est ailleurs. Il est dans la foi que tu mettras à louer Dieu. L'essentiel est dans le temps que tu passeras avec Dieu. Le verset 31 vient clore ce poème magnifique en venant jouer sur les sonorités en hébreu qui nous amènent à confondre Dieu et la femme qui respecte le Seigneur. Lorsque le rédacteur nous invite à louer cette femme, il dit en hébreu bien sûr « Alléluia ». Et l'on entend évidemment cette même louange à Dieu « Alléluia ». Dieu et cette femme ne font plus qu'un au moment où le livre des Proverbes se referme. Vous l'avez compris, ce poème ne voit rien la femme vertueuse qui sait tout faire pendant que l'homme se prélasse aux abords de la ville. Au contraire même, je pense que l'auteur pose un regard plutôt
ironique, en se moquant du charme décevant et de la beauté éphémère. Et la moquerie va même jusqu'à la scène qui décrit les fils et le mari qui se lèvent, donc ils étaient tous assis pour la louer. Alors, me direz-vous, comment devons-nous nous approprier ce texte aujourd'hui? Bien sûr que je ne peux pas faire abstraction du contexte culturel de l'ancienne société moyenne-orientale dans lequel ce livre a été écrit. Bien sûr que je n'oublie pas que de grands commentateurs comme Rashi ont fait une lecture allégorique de ce passage en disant que la femme est une figure allégorique de la Torah. D'autres pensent que cette femme est une figure allégorique de la sagesse personnifiée du début du livre des Proverbes. Mais ce poème me parle autrement et m'amène maintenant sur un autre terrain de réflexion. Tout au long de cette année de stage, et alors aujourd'hui j'ai le plaisir de présider ce dernier culte en tant que pasteur stagiaire, je suis très reconnaissant envers le pasteur James Woody qui a su attirer mon attention à chaque instant de cette année sur l'importance de faire une lecture théologique des événements, des rencontres, de tout ce qui se vit ici et ailleurs, tout simplement de la vie. À quoi servirait une théologie qui répondrait à des questions que personne ne se pose, me répétait-il. Il n'était pas question seulement d'organiser des événements pour le plaisir de faire et de remplir des agendas, mais de faire rentrer la théologie dans le quotidien de chacun. Parce que la théologie permet de montrer que le texte biblique apporte des réponses à des interrogations existentielles. Et je reprends l'expression favorite de James, porter sa vie à l'incandescence. C'est ce que nous montre le texte ce matin. Alors que chacun d'entre nous avons repris petit à petit nos plannings d'avant le confinement, nos activités d'église reprennent petit à petit et nous pensons déjà aux activités de septembre. Au moment où les assemblées générales de nos églises vont se réunir pour désigner de nouveaux conseillers qui vont peut-être insuffler de nouveaux projets, ce texte nous rappelle avant tout que si nous sommes église, il est nécessaire de se demander quelle place nous faisons à la spiritualité dans nos vies d'Église. Quelle place laissons-nous à la théologie dans nos activités et dans nos vies? Quelle place laissons-nous pour être interrogés par une parole venue des profondeurs de nous-mêmes et qui ne demande qu'à être entendue? Parce que c'est cela, la spiritualité à laquelle nous sommes appelés par cette femme qui respecte Dieu. Une spiritualité pour faire advenir la vie par l'amour et rendre le monde meilleur. Cette femme idéale, dans le texte de ce matin, a répondu par la prière à l'appel d'amour de Dieu. De la même manière, nos églises doivent aussi répondre à celui qui nous appelle à aimer et à servir les créatures de Dieu. C'est l'appel qui nous est lancé ce matin à nous tous dans nos vies, ainsi qu'aux nouveaux conseils qui vont bientôt se mettre en place. Amen.
pour chanter le cantique 252, les strophes 1, 2 et 3. Dans les annonces que nous pouvons partager, il y a tout d'abord les annonces à caractère cultuel. Dimanche prochain, ce sera le pasteur Jean Chardin qui prestera le culte ici même. Pour notre part, nous serons à Morin, ce qui indique que nous reprenons aussi nos bonnes habitudes des pasteurs qui tournent dans les différents secteurs de notre métropole montpelliéraine. Pour le temps de l'été, nous sommes à la recherche de musiciens, d'organistes, de personnes qui jouent du piano pour accompagner les cultes. Et donc, vous pouvez vous manifester auprès des pasteurs en indiquant que tel ou tel dimanche, vous seriez disponible pour cela. Je vous rappelle que le samedi 4 juillet, outre la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, nous aurons l'occasion de nous assembler de manière générale au sein de l'Église protestante unie de Montpellier Agglomération. L'Assemblée générale, qui cette année est effectivement une assemblée élective, elle aura lieu ici même, au temple de Maglone. L'émargement se fera à partir de 13h. Le mieux serait que vous vous munissiez de votre propre stylo pour signer, cela simplifiera les démarches sanitaires. Il y a à votre disposition quelques rapports d'activité pour les personnes qui n'auraient pas l'occasion de pouvoir les imprimer chez elles. J'aimerais maintenant m'adresser aux étudiants en théologie pour leur dire que si un jour ils hésitent un peu dans leurs études, s'ils ne savent plus très bien pourquoi ils sont très heureux du docteur Louis Perrier, quel sens a tout cela? Pensez à François Bergoglio. Portez votre regard sur lui. Pour ma part, je pense que le moment est venu de prendre ma retraite. Néanmoins, avant que tout cela s'accomplisse, il convient d'exprimer quelques mots de reconnaissance et un au revoir à François qui, effectivement, à partir du 1er juillet prochain, sera pasteur sur le secteur de Lézan-Lédignan. Ah, voilà, je vous m'éternise trop parce qu'il commence déjà à avoir les yeux humides et moi-même je ne vais pas forcément pouvoir maîtriser toutes les émotions, mais l'occasion quand même de d'exprimer une profonde reconnaissance. Et je crois que le meilleur moyen de l'exprimer est de dire à quel point notre Église peut être heureuse d'accueillir des ministres comme vous. Alors, pour marquer ce départ et rappeler quand même aussi quelques évidences à nos étudiants en théologie, j'ai le plaisir de te remettre ceci en notre nom, finalement. Tu peux même le déballer un peu. Et je vais donner un peu du sens à ce que François va découvrir. Tout d'abord, c'est un objet en bois. Et tout ce qui est boisé dans ces États-Unis d'Amérique se dit « Woody ». Et donc, cela sera l'occasion un peu à la manière de ce que Victor Hugo exprimait dans son
poème de la conscience. Dans le bureau de François, l'œil était là et regardait François travailler. Il s'agit donc d'un lutrin. Un lutrin qui permettra de poser quelques livres, ceux de David Hockey et ceux de Thomas Rover, à lire avec une bienveillance. Ce lutrin qui permettra de poser des livres qui rappelleront que nous n'en finissons jamais d'étudier. C'est-à-dire que estimez-vous heureux d'avoir de devoir apprendre une fois par semestre. François, à partir du mois prochain, devra rendre ses devoirs plusieurs fois par semaine, et de façon inopinée parfois. Donc c'est une manière de rappeler qu'il y a une exigence universitaire qui ne s'arrête pas. Et puis, François a découvert que le ministère pastoral, ce n'était pas que du lait et du miel. En conséquence, je lui offre aussi quelques grisettes de Montpellier pour adoucir les moments où il y aura peut-être un peu de montée acide. Voilà. Et puis un grand merci et surtout, nous te souhaitons un excellent ministère. Merci, c'était inattendu. J'ai passé une année extraordinaire et je suis très heureux de rendre la liberté à James, qui, je pense, a acquis toute l'autonomie nécessaire pour continuer à célébrer les cultes chaque dimanche. Merci. C'est maintenant le moment de l'offrande. Pour celles et ceux qui souhaiteraient régler par paiement bancaire sans contact, cela sera possible à la sortie du temple. Jean-Robert se tiendra avec un panier connecté pour du sans contact. Pour l'heure, nous allons faire passer les aumônières pour tous les dons par chèque et par espèce. Que cela soit l'occasion de donner à notre Église les moyens dont elle a besoin pour former ses ministres et les envoyer à conquérir nos missions. Éternel notre Dieu, nous nous unissons dans la prière. Dans le dialogue intérieur, en nous tenant face à toi, face à ce qui est le plus sacré dans notre existence, pour retrouver le goût de l'essentiel, pour rendre notre vie plus fidèle à notre vocation humaine. Nous voulons d'abord penser à notre environnement le plus proche, en rendant grâce pour le ministère que François va exercer dans quelques jours.
béni sois-tu l'Éternel, d'injecter dans notre histoire l'élan d'une vie marquée par la quête de justice et la construction d'une société profondément fraternelle. Nous voulons ensuite penser au-delà de nous-mêmes, en pensant à toutes ces personnes auprès desquelles nous sommes appelés à exercer nos talents personnels. Et pour cela, nous nous souvenons de ces mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui disait « Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur masqué. Quelle découverte apaisante pour le chrétien que l'intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord personnel dont, pour autant qu'il dépend de nous, nous ne puissions triompher. L'intercession est un bain de purification où chaque jour le fidèle et la communauté doivent se plonger. Elle peut signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Comment est-ce possible? C'est que l'intercession n'est rien d'autre que l'acte par lequel nous présentons à Dieu notre frère, en cherchant à le voir sous la croix du Christ, comme un homme pauvre et pécheur qui a besoin de sa grâce. C'est de cette manière que nous voulons maintenant prier, en nous laissant guider par Charlotte.
lumière à son adolescence avec les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Oui, frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et prolongeons cela par la huitième strophe du psaume 81, strophe 8.